Et salut à tous mes bros, un décor un peu spécial aujourd'hui parce que je me trouve dans une tente berbère. C'est ici que vivaient les berbères. Hein. Et bon, à part ça, on s'en fout, je vais jouer Shivanatop. En fait, si vous avez pas vu, Shivana, il s'est fait bête sur son E. Attends, c'est un ratio AD. Du coup, je max le E. Ok, on n'invalide pas. C'était un faux call. Comme Jean-Pierre Foucault. Comment ça, mon skin est ugly? Ça veut dire moche. Bah, moi j'aime beaucoup. Bon, j'avoue, c'est discutable quand même. Il est assez ridicule. Oh là là, non, il m'a gâché le skin. Je le trouvais bien avant qu'ils disent qu'il est moche. Oula, les 200 ms. Mais parce que ma wifi elle est dans la maison. Et là, je suis pas dans la maison. Oh putain, oh là là. Oh, c'est injouable. Oula, là, je dois vraiment beaucoup laguer parce que je vois Vayne en top lane. C'était pas une game très intéressante de toute façon. C'est une clone Fiesta. Du coup j'en ai refait une. Et puis j'avais pas de team alors j'en ai refait une. C'est dommage parce que j'avais un bon match. Mais bon, y a rien d'injouable je pense avec Shyvana. Parce que de toute façon je max le E. Du coup là je suis contre un champion qui a pas de régène. Et avant j'étais contre Indamir, un champion qui a de la régène. Je l'ai défoncé en 1v1 mais bon j'avais pas l'équipe qui allait avec. Je vais peut-être vous montrer un petit extrait où je le tue et comme ça vous direz effectivement il était 1v9. Regardez bien. Regardez bien. Hein. Effectivement, j'étais un V9. Oh là 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 là, ce dodge. The dodge. Genre, il m'a proc le Thunderlord. Genre, il m'a mis 3 coups. Bah, les dégâts que ça m'enlève, 3 coups. C'est tellement tanky chez Vana, c'est trop bien. Oh là 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 là, trop fort. Et je subis aucun dégât. Et j'ai full régène dans mes maîtrises aussi. Ça, je l'ai pas dit. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu de peu. Ok, il s'en va. Je loot farm. Oh là, mais c'est un peu trop agressif ça. Comment tu veux que je t'aide en fait? Flame. Ok. Bah, ça, c'est réglé. Je l'ai blessé dans son ego. Hein. En plus, il lui donne un double buff. Sur un Jayce, c'est un cauchemar. Vas-y, mon bro. Il est pour toi. Hadouken! Et voilà, c'est le E. La Shyvana max E. Aucune autre Shyvana n'aurait pu prendre le kill. Sauf la Shyvana AP. Mais la Shyvana AP max E, du coup j'avais raison. De toute façon. Je sens qu'il en a gros sur la patate. On en a gros. J'ai cru que j'allais mourir là. J'ai toute ma vie défilée devant mes yeux, je me casse d'ailleurs. Au passage, je me casse. Mais je sais pas comment font les gens pour mourir avec Lucian mid, genre. C'est juste trop facile de pas mourir. Je pense même que le champion est fait pour ça. T'es en mid lane et t'as un dash. Comment tu fais pour mourir en fait? Ça se voit qu'il est nul en plus. Mais c'est comme si c'était. C'est écrit sur son gameplay qu'il est nul. Il dash pour rien. Regardez comme il a peur. Alors que c'est Jayce, hein, un des meilleurs top laners de l'univers. Mais j'ai même pas besoin de lui mettre d'auto-attaque. Juste je le poke avec mon E jusqu'à ce qu'il se barre de cette lane. Putain, ça slow tellement son truc. Ça fait un bien fou d'être campé quand on joue contre Jayce. Mais là de toute façon je l'aurais tué. Regardez ça, il peut rien faire. Là il s'est que pris des E. Regardez, il est désemparé. Il sait pas comment faire. Il sait pas comment gérer ça. On lui a pas appris ça à l'école des Metaslaves. Peut-être que je l'ai mal jugé ce Kayn. Il a plutôt bien carry ma top lane. Même si je l'aurais pas perdu quoi qu'il arrive. Attendez, attendez, regardez. Par contre, il y a une toile ici. Bon, c'est pas grave.
Je suis juste là pour vous montrer les dégâts du E. Hein. Aussi, si Lucian n'y prend pas l'étoile, c'est pas mon problème. Il va peut-être même mourir contre Jayce. Qu'est-ce qu'il fout? Oh non, il a. Oh là là, Jayce pouvait le tuer. Hein. 100% si Jayce n'était pas elo boosté, il l'aurait tué. Eh oui, mais dash dans la trajectoire. Personne te dira rien. C'est du platine 2, ça. Ces deux joueurs sont meilleurs que vous. Ils sont meilleurs que 97% des joueurs. 97% de tous les joueurs de League of Legends. Pas encore cette équipe. On va savoir, on les explose en late game. Non, on est full AD, on les explose peut-être pas. Non, mais ils ont pas de temps qu'on les explose. J'ai vu les dégâts que font le E. J'ai bien peur qu'Orianna fasse un ulti. Dans pas longtemps. D'un moment à l'autre. Ouais. Oh non, je l'ai pas eu. Oh zut, j'aurais dû attendre qu'il réapparaisse. J'ai été trop greedy. Attendez, par contre, s'il reste. Nice. Oh là là, il a grand comment il l'a outplay. Je pense que là c'est une game gagnée. Ça va, il est qu'à moitié le boosted Kayn. En vrai, il est fort, mais il joue trop agressif. Et quand on joue trop agressif, on meurt souvent. On tue souvent, mais on meurt souvent. Retenez bien ça, hein, c'est vraiment une chose que peu de gens savent. Par exemple, Lucian, lui, il joue mal et il joue agressif. Maintenant, je vais quand même faire le casque adaptatif. J'aime beaucoup trop cet item. Si personne le fait, je l'aime bien, c'est comme ça. Vous me connaissez à force. Hein. Vous le connaissez, ce petit Younes avec ses Shyvana top max E. Et. Etc. J'ai trop d'exemples, je vais pas me mettre à tous les citer, je préfère dire etc. dès le début. Bon bah voilà, la game est gagnée maintenant. Ok, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai retenu la leçon et que je le ferai plus. Jamais. Parfois si je veux split push, je fais une trinité dans mon build. Là je veux pas. Enfin là j'ai pas de trinité mais je split push quand même. Je suis pas un très bon joueur. Oh zut! Encore du hit. Mais c'est OP! What the fuck? Oh là là! En son soir, ah non, c'est ça. C'est ça le problème, je pense. C'est marrant à proposer un FF. Mais c'est bon, la game est déjà gagnée. Hein. Après, ils prennent qu'une tourelle. Je vous ai dit de prendre qu'une tourelle, hein. Vous savez pas vous arrêter, vous. Vous avez vu les dégâts? Les dégâts au E. Du E. Et puis de Kayn aussi. Hein. On va pas. On va quand même un peu. Un peu nuancer. Un peu l'aider, ce petit père. J'ai été un peu méchant avec lui au long de la game, mais. Au fond, c'est un bon petit père. Putain, c'est bête, on avait presque ce row et puis faut qu'ils en refassent un encore plus gros. Oh non, un autre. Faut prendre un abonnement à ce train là. Ok. Ça tue des gens par ici, c'est très bien. Lui il a pas de mana. Il est mort. De mes mains. Voilà, j'ai enfin réussi à vous faire ma présentation de Shyvana top. Qui est un excellent pick. Hein. Bah bravo, bravo Kayn pour son sang-froid. super leader Kayn. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que c'était un très bon pick que moi. À la base, je cherchais un pick contre les tanks. Et oui, c'était parfait quoi. Shyvana top, c'est parfait. Puisque tu peux pas te défendre contre les dégâts de Shyvana. Si tu prends de l'AD, elle te fait des dégâts magiques avec le E, puisque tu max E de toute façon. Si tu prends des HP, bah, elle fait des dégâts en pourcent d'HP. Si tu prends de la résistance magique, t'es con. Alors bon, comment tu fais si t'es un tank? Et bah voilà, tu peux pas. Et du coup, c'est le meilleur pick de tous les temps. Abusez-en tant que c'est OP. Sinon, c'est pas mal aussi en jungle, il paraît. Pas entendu quelqu'un dire ça, jamais testé. Voilà, à plus.